Excellente matinée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie, j'y arrive, voilà, ça commence très bien. Donc, nos thématiques ont une dominante scientifique puisque nous évoquerons la semaine de l'entrepreneuriat initiée et organisée par justement l'Institut, l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agronomie, donc qui met au défi ses étudiants pour apporter des solutions concrètes à des problématiques posées par des entreprises réelles. Nous évoquerons donc le programme de cette semaine très scientifique avec notamment donc la représentante de l'école, la représentante de l'organisation de cet événement, mais aussi un lauréat des premières éditions organisées à cet effet. Dans cette émission, nous aurons à parler de langue anglaise, notamment grâce aux représentants de l'Association nationale culturelle et scientifique pour la promotion de la langue anglaise, représentée aujourd'hui dans notre matinale par la présidente du bureau de BLIDA, qui nous apportera tout un éclairage sur des activités récentes liées à la promotion de cette langue. Et puis, bien sûr, retour sur le SILA, qui a connu une baissée de rideau hier, avec notamment deux découvertes proposées par Samira Hadj Amar, qui a été à la rencontre de quelques auteurs africains, dont deux Guinéens, qu'on découvrira ce matin. Et puis, nous aurons l'occasion aussi de retrouver notre ami Khedin Khaldoun. Il fait partie de la famille de Canal Algérie, il est réalisateur, mais également donc plasticien. Aujourd'hui, il nous annonce tout le démarrage, justement, de ces émissions que vous connaissez déjà, certifiées des aides, qui lui permet d'aller à la rencontre de notre diaspora à l'étranger, ou encore une seconde émission qui, elle, met en valeur des étrangers qui vivent chez nous et qui aiment l'Algérie, qui ont choisi de s'y établir. Merci encore une fois d'être avec nous. N'oublions pas aussi que nous aurons l'occasion de retrouver Yezid Ait Mahiddin, donc notre rédacteur en chef, pour son intervention éditoriale ce matin. Merci encore une fois. Passez d'agréables moments en notre compagnie. Bien sûr, on ne va pas déroger à la tradition de vous offrir un point météo au démarrage. Et c'est avec Mina Abed que ça se fera. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Adia, bonjour à tous. Ça va? Un temps mitigé, j'ai l'impression, ce matin. Exactement. Il y avait des lueurs rougeâtres qui annoncent en général, qui augurent d'une belle journée, mais il y avait aussi des nuages très denses et très foncés du côté de Bouzaréa. Alors, tout à qu'est-ce fait. Que ça annonce à Alger? Mais on va le découvrir. Et bien sûr, dans les autres régions du pays. Exactement. Merci. Allez-y, Mina. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Excellent réveil. Effectivement, eh bien, aujourd'hui, on notera quelques passages nuageux sur l'ensemble des régions côtières, avec possibilité de quelques faibles pluies vers les régions côtières, à l'ouest, au centre et à l'est du pays, des vents jusqu'à 50 km/h, notamment vers les côtes est. Et puis sur les régions intérieures, on notera un ciel dégagé à peu nuageux sur l'ensemble des régions intérieures et sur les Aurès. Et puis un ciel dégagé du Nord-Sahara vers l'extrême sud en passant par le Sahara central, le Ogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord jusqu'à 27 degrés. À Annaba, on notera 26 degrés. À Constantine, 23 degrés. À Alger, 24 degrés. À Oran, on notera 20 degrés seulement à Tiaret, 32 degrés à Gardaïa, 30 degrés à Béchar, Tindouf, 37 degrés à Drar et Insalah. Et enfin 38 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer très agitée hein, sur le centre et l'est, agitée vers les côtes ouest avec des vents entre 30 et 40 km/h à l'ouest du pays, entre 40 jusqu'à 60 km/h sur le centre et l'est.
On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Bien, pour cette journée, le soleil restera dominant, notamment à Montréal, New York, Miami, Dallas, Mexico. On notera des pluies à Vancouver. Et puis côté température, on notera 12 degrés seulement à Vancouver, 7 degrés à Montréal, 26 en Californie, Dallas, 26 également à Mexico, 28 degrés à Miami et enfin 19 degrés à New York. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup pour ces détails, Mina. Je vous souhaite de passer d'agréables moments cette matinée. Et puis toute la journée également, bien sûr. J'espère. En tout cas, voilà, nous continuons d'exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien, Razaoui en l'occurrence, qui est sous les bombardements depuis bientôt, voilà, près d'un mois presque. Exactement. Donc voilà, il y a de nombreux artistes qui ont crié fort, stop au massacre, stop à l'injustice. Il en fait partie, donc il s'agit de Roger Waters, qu'on va réécouter avec grand plaisir, lui qui est pour la justice et pour l'humanité. Et donc tout de suite, il interprète une chanson culte, We Shall Overcome. Believe.
truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. Voilà, c'était là Roger Waters qui interprétait cette chanson, donc qui incarne les élans libérateurs et aussi toute cette volonté d'aller vers la justice. Et bien sûr, j'espère que le peuple palestinien et les Gazaouis resteront debout jusqu'à la fin de cette guerre abominable. Alors aujourd'hui, nous avons plaisir quand même de recevoir des personnes qui viennent de Blida pour nous parler. Blida et Sétif pour la deuxième invitée. Donc j'ai plaisir d'abord à les présenter. Il s'agit de Soundous Azi, ici présente, donc qui représente le bureau de Blida pour l'Association nationale culturelle et scientifique de la promotion de la langue anglaise, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui, c'est ça. Bienvenue. Vous avez fait appel il y a quelques jours à notre amie ici présente, donc Amina Bektash, qui elle est formatrice et très très au courant et très à jour par rapport à l'intelligence artificielle, me dit-on. Oui. C'est bien cela. Oui, c'est vrai. Très bien. Bienvenue, mesdames. Merci. Voilà. C'est un On vient d'écouter une chanson en anglais et c'est vrai que c'est l'un des outils les plus intéressants, des outils pédagogiques qui permettent un petit peu l'accès à cette langue qui n'est pas une langue maternelle, qui n'est pas un butin de guerre et qui nous vient d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, la chanson est parmi les méthodes, les stratégies qu'on utilise en classe pour apprendre la langue. Alors, pour ceux qui sont plutôt auditifs, la chanson, c'est un moyen d'apprendre et aussi à assimiler le comment parler, l'intonation et aussi enrichir le vocabulaire. Voilà, le vocabulaire. Et tout a une stratégie pour attirer l'élève. L'élève aime apprendre par les chansons. Les chansons, imiter, reprendre. Et aussi travailler, pratiquer. Bien prononcer, bien absolument. Prononcer, voilà. Vous êtes en fait pédagogue à la base, vous êtes enseignante d'anglais, et puis également formatrice aussi d'enseignant. Oui, et vous avez eu cette idée très intelligente de fédérer en tout cas beaucoup d'enseignants et d'experts en la matière dans cette association, je dirais. Oui. Voilà. L'idée vient d'un groupe d'enseignants inspecteurs. Alors, c'était une idée qui a vu le jour l'année passée. On a eu l'agrément du ministère de l'Intérieur. Et nous y travaillons pour, comme vous avez dit, joindre tous les enseignants dans ce groupe, dans cette association, et faire de notre mieux pour promouvoir la langue en Algérie. La langue anglaise, promouvoir, qui veut dire trouver les meilleures pratiques, les meilleures approches pour attirer tout le monde vers l'apprentissage de la langue. Attirer vers une langue, ça passe aussi par un enseignant qui a les outils pédagogiques, qui a cette faculté de donner envie aux élèves d'adhérer à cette langue qu'on découvre parfois pour la première fois ou qu'on redécouvre et qu'on a approfondi en termes de connaissances. Et donc, c'est ce que vous essayez de faire. Et donc, à l'initiative de l'association, vous avez été convoqué ou invité donc, pour encadrer un groupe d'enseignants, justement. Oui, c'est très important d'essayer d'aider les enseignants pour faire face aux challenges, surtout ces jours-ci avec la technologie et tout. Mm-hmm. Donc, ils ont toujours besoin d'aide pour renforcer leurs compétences et pour être à la hauteur pour aider nos élèves. Voilà, ça s'est fait le 1er novembre dernier, donc une journée où vous avez été à la rencontre de 40 enseignants venus de plusieurs wilayas. On peut les citer, Madame Azi ? Oui, alors, de plus de Blida, on a eu Alger, Béjaïa, Constantine, Médéa, Djelfa, Tizi Ouzou, voilà. On a eu des enseignants qui se sont enregistrés et ne sont pas venus. Ils étaient de Oued, de Sokaras, ne pouvaient pas venir à la dernière minute. Mais c'était un groupe de 40 enseignants. On ne pouvait pas faire plus que ces 40, vu que la maison de jeunes ne peut pas recevoir plus de 50 enseignants. Alors c'était, c'était dans une atmosphère bien chaude et conviviale. Très conviviale. Et aussi on a beaucoup appris grâce
aux nouveautés qu'ont ramenées Mademoiselle Bakdash et Monsieur Yaddaden. Voilà, des outils nouveaux qui font leur entrée en Algérie de plus en plus. L'usage de l'intelligence artificielle, entre autres. Voilà, donc vous avez... C'était un cours d'initiation aussi par rapport à cela, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, les gens en général résistent le changement. Oui. Oui, donc on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais les enseignants aussi ont des soucis. Comment utiliser ça? Est-ce que c'est, how to say, safe? Oui, est-ce que c'est sécurisé? Exactement, oui. Donc il y avait... plusieurs soucis. Est-ce donc, que déontologiquement, ça peut se faire, mais, oui, exactement. Mais vous leur avez prouvé que oui. Exactement. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer les enseignants? Donc, j'ai essayé d'adresser ces soucis. On a ouvert une discussion pour parler de ces soucis-là, pour les adresser. Mais aussi, j'ai essayé de partager des techniques pratiques pour... que les enseignants puissent savoir plus sur l'intelligence artificielle et comment l'utiliser pour planifier les leçons, pour décider sur les activités, ou bien pour l'utiliser en classe avec les étudiants. Il y a des raccourcis quand même qui sont intéressants par rapport à l'enseignement de manière générale. Oui, exactement. Oui. Donc, j'ai essayé de parler de tout ça et la discussion était tellement riche. C'était... un débat, c'était un débat d'idées, on a parlé de nos expériences en classe, on a parlé des différents soucis pour un exemple qui oui, allez-y. Qui revient souvent. Oui, c'était le plagiat. Ah, d'accord. Oui, on a parlé beaucoup de ça, donc comment on va essayer d'adresser ça, comment on peut empêcher les étudiants de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on a parlé comment se concentrer sur les compétences et ne pas l'information, parce que l'information maintenant est très accessible, les élèves ont l'information, ils n'ont pas besoin d'information, ils ont besoin de compétences. Donc on a essayé de se focaliser sur ça. Très bien. Donc à CETIF, vous faites le même travail actuellement? Oui. Oui, je suis toujours formatrice des enseignants, je fais des workshops de temps en temps, un peu partout. Très bien. Voilà, donc c'était l'une des initiatives, mais voilà, j'imagine que vous avez tout un programme au sein de l'association en faveur de cette promotion de la langue anglaise. On peut en parler brièvement? Oui, bien sûr. Alors, on a commencé au mois de juin, comme je vous avais dit. On a commencé par Summer Camp, une colonie d'été, avec les enfants du CM, du collège. Alors, on a fait... un workshop, des ateliers pendant 3 semaines pour ces enfants. Ça inclut telling stories, c'est-à-dire narrating, la narration, les contes. On a fait le théâtre, on a fait les chansons et les jeux. Et aussi, ce qui est très important, l'environnement. Comment préserver l'environnement? C'était 3 ateliers en général sur 3 semaines. Les enfants ont adoré, il faisait très chaud en ce moment, au mois de juillet, mais ils venaient chaque jour avec plein d'enthousiasme et apprenaient l'anglais sans stress, sans avoir peur à être évalués. Et c'était formidable. Les enfants continuent à m'appeler maintenant pour me demander s'il y a une deuxième saison pour ça. La deuxième activité, c'était au début du mois de septembre, c'était pour les enseignants. C'était sur diagnostic test, alors le test diagnostique, et comment commencer l'année scolaire pour que ça aille mieux pendant l'année scolaire. Alors, ça a été encadré par une inspectrice, des enseignants, et ça avait beaucoup d'échos. C'est important, voilà. Le début de l'année. Il faut accrocher l'élève, faut lui donner envie d'adhérer exactement. À ce cours. C'est voilà, vrai. Exactement. Et aussi, pour l'enseignant, comment évaluer ce test diagnostique, plusieurs enseignants ne savent pas comment le faire. Est-ce qu'on fait un test formatif? Est-ce qu'on fait un test sommatif? Alors, N'hésitez pas à parler en anglais. Je sais que c'est votre langue. Oui. Alors, voilà, merci. De prédilection. Vous vous exprimez beaucoup plus souvent en anglais, donc c'est pas évident. L'anglais grâce au français. D'accord, quand même. Voilà, grâce au français. Alors, comme je vous avais dit, pour le test diagnostique,
c'est pas un test formel qu'on fait en classe. On peut poser juste une question à l'élève et contourner ce qu'il sait. C'est les prérequis. C'est prérequis, comment il les présente. Comme elle a dit, c'est les compétences, les habilités, comment il parle de ça. C'est comme ça qu'on évalue l'élève. Et à partir de ça, on peut créer ou bien design bon, les fiches qu'on fait pendant l'année scolaire. Ce qu'il a comme weaknesses, c'est-à-dire les faiblesses de l'élève, à partir de ces faiblesses qu'on peut améliorer ou orienter voilà, un petit peu le voilà, programme. Et aussi faire les fiches selon les faiblesses de l'élève. Très bien. Alors, on a fait aussi comment faire un contrat avec l'élève, un contrat de travail qui aide à la discipline en classe. On fait un contrat en début de l'année. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Cela implique une rémunération ou une récompense. Est-ce que vous y arrivez? Bien sûr, c'est ce dont on d'accord. a parlé aussi. Voilà. Ce n'est pas qu'un contrat moral. Donc, il gagne quelque chose. Voilà, donc, c'est bien, ça motive. En retour, bien sûr. Et c'était généralement comment commencer l'année. Voilà, on a nommé cette activité. Alors, sound beginning, sound and school year. C'est-à-dire quand on commence d'une façon très forte, alors l'année scolaire se passe agréablement. Voilà, ce sera sur rail et tout ira très bien. Donc, à l'oreille, on me souffle quelque chose. On se demande si vous êtes intéressé aussi aux adultes, hormis les élèves, hormis les enseignants, le corps enseignant et le corps d'encadrement, est-ce qu'il y aura de temps en temps des ateliers pour les adultes? Est-ce qu'il y a une réflexion en tout cas dans ce sens? Oui. Alors, parmi les objectifs de l'association, c'est toucher toutes les catégories de la société. Mm-hmm. Les enfants, les adultes, les étudiants, les enseignants. Les travailleurs. Voilà. Oui, les travailleurs, oui. C'est pour la promotion de la langue anglaise. Alors, ce qu'il nous faut, c'est des volontaires. Des volontaires qui viennent travailler avec nous. Mm-hmm. Et je parle des enseignants qui veulent travailler avec nous. Bon, je lance un appel pour les enseignants qui veulent travailler avec nous et nous aider pour faire promouvoir la langue anglaise et toucher la catégorie des travailleurs, des gens qui veulent apprendre la langue. Mm-hmm. Voilà. Parce que avec les membres du bureau qu'on a, j'en ai 5, on ne peut pas tout faire. Voilà. Mm-hmm. Et des fois, on fait appel à des encadreurs, des professionnels, professionnels, des experts comme Amina et Eden, mais on peut les appeler qu'une fois de temps en temps. On ne peut pas les avoir tout le temps. Alors, on a besoin d'enseignants volontaires pour encadrer l'apprentissage des adultes et des travailleurs, comme vous avez dit. Alors, pour l'atelier, le troisième atelier qu'on a fait récemment, le 1er novembre. Oui. Voilà, le 1er novembre, on sait que c'est l'anniversaire de la révolution algérienne. Alors, avec les membres du bureau, on a discuté qu'est-ce qui peut être révolutionnaire, une idée révolutionnaire qui est dans l'enseignement ou un peu partout, et qu'on peut faire comme sujet de l'atelier. Mm-hmm. On a pensé à l'intelligence artificielle, c'est une idée révolutionnaire dans le monde, et voilà comment utiliser ça dans l'enseignement. Alors, on a appelé cet atelier l'enseignant apprivoise Befriend, l'intelligence artificielle. Alors, c'est juste le début. Il y aura d'autres ateliers. C'est l'enseignant utilise. D'accord. Utilise l'intelligence artificielle. Ce qui impliquera peut-être le retour d'Amina Bektash, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. Parce que vous êtes vraiment à jour par rapport à cette question de l'intelligence artificielle et des outils donc pédagogiques liés et issus de cette intelligence artificielle. On a été, en tout cas, mesdames, ravies de vous recevoir ce matin. Merci. Peut-être un dernier mot par rapport à cette expérience. J'encourage tous les enseignants d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est une réalité qui s'impose. On ne peut pas se cacher de cette réalité. Donc, allez-y, essayez les outils qu'on a sur Internet, essayez-les avec les élèves et
À vous de voir, à vous d'évaluer l'expérience. Voilà. Il y a eu des éditeurs très intéressants lors du Salon international du livre d'Alger. Est-ce que vos enseignants ont été, comment dire, invités à découvrir toutes ces nouveautés proposées aussi là? Il y avait énormément d'ouvrages en langue anglaise et des romans aussi en langue anglaise. Est-ce que le roman et la lecture contribuent justement à cet apprentissage? Certainement, certainement. Alors, la lecture vient en premier pour apprendre quoi que ce soit. Il y a Krashen, qui est un linguiste, qui est arrivé à prouver que, qu'à travers la lecture, on apprend la langue. Mm-hmm. Il a même défié l'approche de Chomsky qui disait qu'à à partir de 12 ans, on apprend. We don't acquire language, but we learn it. On ne l'acquit pas, on ne l'acquit pas, on l'apprend. Alors il a dit que ça n'a pas d'âge, mais à travers la lecture. Il a prouvé ça, il a fait des études, il a prouvé qu'à travers la lecture, on peut apprendre plusieurs langues. On peut mémoriser des formulations. Très bien. Oui. Mais on doit lire ce qu'on aime, aime, même si c'est des bandes dessinées. Oui, absolument. Voilà, même si c'est des bandes dessinées, ce qu'on aime. À travers la lecture de ce qu'on aime, on apprend beaucoup de choses, surtout la langue. En tout cas, cette édition orientée vers l'Afrique a connu justement une forte participation d'anglophones, donc qui ont permis aussi au lectorat intéressé par la langue anglaise de vraiment de s'abreuver et de se délecter de toutes ces belles lectures. On a été ravis, mesdames, vraiment de vous recevoir ce matin. Donc je rappelle que Sundu Sazi, vous êtes la présidente du bureau de Blida pour l'association nationale, donc culturelle et scientifique de la promotion de la langue anglaise. Et puis madame Amina Bektash, qui est membre de l'association également du côté de Sétif, et qui est formatrice et qui encadre les enseignants donc, en langue anglaise. On a été ravis de vous recevoir. On vous souhaite à toutes les deux donc, un bon voyage de retour et une excellente journée. Merci. Idem pour tous ceux qui étaient avec nous. J'espère que vous avez eu le temps de profiter du Salon international du livre qui a permis de très belles découvertes cette année. On en parlera encore dans un moment, mais avant, je vous propose ce reportage signé Feriel Hamdi, qui était justement dans les dédales de ce salon et qui a été à la rencontre des auteurs qui ont écrit sur la Palestine particulièrement. L'Algérie organise la 26e édition du Salon international du livre d'Alger. Il s'agit d'un des plus importants rendez-vous culturels du monde arabe qui chaque année enregistre des records de lecteurs. La Palestine a été à l'honneur de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger. À travers l'organisation de plusieurs expositions de livres sur la littérature et l'histoire de la Palestine, victime des agressions barbares de l'occupant sioniste. Nos publications concernant la Palestine, donc nous avons commencé déjà en 2008 avec l'apparition d'un livre de Yann Papé, Le nettoyage ethnique de la Palestine. Une année après, nous avons publié Dominique Vidal, Comment Israël expulsa les Palestiniens. Donc ce sont deux livres historiques qui reviennent un petit peu à la colonisation de la terre palestinienne. En 2019, nous avons sorti le premier tome de Mohamed Taleb, Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle. Donc c'est un livre qui remonte justement à la chute de l'Empire ottoman, donc jusqu'à 1967. Et cette année, nous publions le deuxième tome, toujours de Mohamed Taleb, qui est Israël, prélude à un déclin autoprogrammé, donc qui est une suite du premier tome, suite des événements et de l'actualité palestinienne actuellement. Plusieurs parutions d'écrivains arabes, mais surtout algériens. Ces derniers ont exposé leur ouvrage qui traite sur plusieurs thèmes liés à la cause et aux personnalités révolutionnaires et littéraires de ce pays. Des photographies d'Al-Quds, des cartographies de la Palestine et plusieurs tableaux illustrant la lutte palestinienne.
Ce livre, il ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, on l'a édité, ça fait déjà 3 ans de ça. Mais il est d'actualité. Et là, ce livre, il retrace un petit peu les crimes d'Israël, justement, depuis leur invasion en 1948 jusqu'à, je peux dire, jusqu'à 3 ans, 4 ans de ça. Et de toute façon, c'est vraiment des crimes qui se répètent. Uniquement et la Palestine de toute façon si on questionne un Palestinien sur le peuple le plus proche d'eux, alors ce qu'ils font, ils vous disent que les Algériens c'est eux qui portent un petit peu le qadiya al-Filistinia. Cette 26e édition du Salon international du livre se poursuit jusqu'au 4 novembre. Et bien, nous revenons au studio avec d'autres invités qui viennent de s'installer. Honneur aux dames, d'abord avec Manel Nchar, qui nous vient de l'École nationale supérieure d'agronomie, qui est enseignante et chercheure au sein de cette institution. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue également à notre ami donc, ici présent, Idriss Talbi. T-A-L-B. Ah ben, je vais rectifier tout de suite. Idriss Talbi, bienvenue. Merci. Et pardon d'écorcher votre nom. Vous êtes lauréat, donc lauréat d'un prix qui a été décerné par une semaine qu'on appelle la semaine de l'entrepreneuriat, une semaine de l'entrepreneuriat initiée, comme vous pouvez le deviner, par l'École nationale supérieure d'agronomie, n'est-ce pas? Donc on va parler déjà de cette organisation, de l'édition de cette année, avant de donner la parole à Idriss si c'est présent. Très bien. Alors la semaine de l'entrepreneuriat, ou communément appelée en anglais Global Entrepreneurship Week, c'est un concept en fait anglo-saxon qui a été initié en 2007, puis généralisé au monde entier. À l'ENSA, nous commençons à fêter cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat depuis 2021. C'était l'année de la création de notre incubateur au sein de l'École nationale supérieure agronomique. Très bien. Vous êtes l'une des responsables qui veille au grain dans cet incubateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis la responsable de cet incubateur, en plus d'être donc enseignante-chercheure et présidente du comité d'organisation donc, de cette semaine. Oui. Tout à fait, qui très devient annuel. Voilà. Très bien, ben, qui gagne en pérennité. Là, pour preuve, donc, notre ami Idriss a participé à la première édition. Aujourd'hui, vous en êtes à la troisième. Vous gardez un bon souvenir de cette participation? C'était une expérience exceptionnelle. Voilà. Je le pèse mes mots, exactement. Très bien. Idriss, vous êtes aussi dans un club scientifique, n'est-ce pas? Exactement, Greensa Club. Un club bien scientifique au sein de l'ENSA, bien sûr. Exactement, hein. C'est bien et, ça. Et donc, on vient de voir justement des auteurs qui ont partagé leur livre avec le lectorat algérien. Les artistes se manifestent pour dire non à l'injustice. Qu'en est-il des étudiants au sein de votre école? Est-ce qu'il y a une mobilisation autour de cette question? Donc forcément, nous en tant qu'étudiants, on est forcément touchés par tout ce qui se passe en Palestine. Donc à cette occasion, on a voulu, en tant que club scientifique, notre devoir c'est de bien évidemment vulgariser l'information à la communauté étudiantine. Donc à cette occasion, on a voulu faire une petite vidéo reportage qui retrace, on va dire, toute l'histoire de la création d'Israël. Donc, on a vu que c'était très controversé, donc de l'affaire Dreyfus jusqu'à Ben Gourion qui annonce la création d'Israël malgré les interdictions donc, de l'ONU. Donc, on a fait un petit reportage qui retrace tout le processus de colonisation, De la Palestine, exactement. Très bien. Et ça a intéressé les étudiants. Non, exactement, ça a intéressé les étudiants. Ils ont bien aimé cette petite minute d'histoire. Voilà, ce sont des petits gestes, mais qui ont leur valeur par rapport à la souffrance qu'on voit dans les médias et qui continue de perdurer donc, dans la bande de Gaza. Donc, c'était juste une petite parenthèse. On revient à notre sujet, bien sûr, initial, qui est cette semaine consacrée à l'entrepreneuriat. Une semaine qui met au défi ces étudiants brillants, très imaginatifs et qui vont vraiment confronter leurs idées pour apporter des solutions concrètes à des entreprises réelles, finalement. Tout à fait. Donc, cette manifestation est organisée en partenariat avec des acteurs économiques et des entreprises qui promeuvent l'insertion des jeunes diplômés, des écoles et des universités dans le monde entrepreneurial.
Donc, en fait, durant cette semaine, on a trois rendez-vous. Le premier, c'est la journée du lancement, donc c'est Conférence Day, où on invite des acteurs de l'écosystème entrepreneurial à présenter leur expérience, à venir échanger avec nos étudiants et porteurs d'idées, porteurs de projets au sein de notre école. Et on y a intégré cette année le Café des Affaires suite à la note donc, de notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis, donc, on suivra avec... Sympathique comme nom, hein. Oui, une activité sympathique. Bon, on sait qu'on a un bon café qui nous attend, en tout cas. Oui. Tout à fait. Non, ça crée un climat de convivialité pour l'échange. Ça doit voilà, être l'échange, il est important entre ces jeunes porteurs d'idées et les entreprises déjà installées, connaisseurs, on va dire, du marché algérien et du marché, on va dire, international également. Alors, suivi justement de cette compétition où on mobilise tout le savoir et les connaissances de nos étudiants au profit de ces partenaires-là. Oui. En fait, comment ça se passe? Il y a des demandeurs de solutions qui sont ces partenaires-là. Donc, on a déjà deux partenaires cette année, la même chose l'année passée, qui proposent alors des problèmes réels donc, du marché. Et là, on mobilise nos étudiants qui, eux, proposent des solutions. Donc, assez, entre guillemets, problèmes. Voilà, proposé par ces entreprises et ils travaillent donc durant 2 à 3 journées dans des ateliers avec des coachs, donc des coachs qui viennent les soutenir du côté managérial mais aussi du côté les aspects techniques, on va dire, parce que voilà, tout ce qui est on va dire relatif à la création ou à la on va dire voilà à la mise au point d'une tout solution concrète réfléchie par rapport à ces problématiques posées. En tout cas, voilà, vous avez l'appel a été lancé donc à travers la toile, n'est-ce pas? Donc vous connaissez déjà les thématiques, Idriss, est-ce que vous allez participer cette année également? Donc oui, donc la deuxième thématique, donc il y a deux thématiques pour cette année qui ont été annoncées il y a quelques jours. Donc, la deuxième thématique m'intéresse vraiment parce que c'est quelque chose d'actualité. Oui. Donc, ça parle de l'empreinte carbone, donc comment calculer, etc. Très bien. Donc, c'est quelque chose d'actualité. J'ai vraiment envie de participer à cette troisième édition. Très bien. Donc, ça y est, le moteur est en marche. Le moteur est en marche, exactement. Et on recherche des idées, on fait travailler les neurones dans ce sens. Très bien. On va revenir à cette première participation, première édition. Le concept était légèrement différent parce que vous n'étiez pas face à des entreprises à ce moment-là. Vous étiez face à votre réflexion personnelle, exactement. N'est-ce pas? Donc, je vais rappeler tout simplement comment ça s'est passé. Donc, j'étais tombé sur un formulaire de novembre 2021. J'étais tombé sur un formulaire qui parlait d'une compétition de l'entrepreneuriat. Donc, à cette époque, j'étais très intéressé par l'entrepreneuriat, mais comme on est une génération Covid, on n'a pas eu l'occasion durant notre première année de participer à des manifestations entrepreneuriales. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de participer, de tenter ma chance. Donc, j'ai brainstormé une petite idée pendant une semaine. J'ai vu ce qui se faisait à l'étranger, comment on pouvait l'appliquer ici au marché algérien, comment on pouvait l'appliquer à la compétition. Donc, j'ai soumis ma candidature et c'était au nom du projet DemeBox. Voilà. Très bien. Et ça consistait en quoi, cette idée? Donc, DemeBox, donc, je vais faire premièrement l'étymologie de c'est quoi DemeBox. Donc, ça s'est décomposé en deux. Donc, Deme pour Déméter, qui est une divinité grecque, donc la divinité de l'agriculture, et Box pour tout simplement boîte. Donc, c'est la boîte de l'agriculture, pour d'accord, faire simple. Très bien. Concrètement, c'est quoi? Donc, c'est un pot connecté qui est directement relié à une application sur smartphone. Donc, qu'est-ce qui va permettre DemeBox? Il va permettre tout simplement de voir l'état d'avancement de la plante. Donc, du développement donc, d'une simple graine à une plante florissante, on va dire. Donc, il y a deux cas d'usage pour DemeBox. Le premier cas d'usage, c'est un usage, on va dire, pour des plantes domestiques. Donc, on sait que dans la majorité des cas, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper des plantes. Si on a des plantes chez soi, on n'a pas aussi forcément les connaissances, on ne sait pas comment apporter, quand apporter, etc. Donc, quand il y a ce premier cas d'usage... Apporter quoi? Irrigation, engrais... Exactement. L'irrigation et l'engrais. Enrichissement du sol. Exactement. C'est ces deux points qui sont très importants. Il y a même aussi par rapport à la luminosité, par rapport à... Ah oui, c'est important. Exactement. C'est très important par rapport à la température. J'ai été initiée un petit peu à tout ça tout récemment et Dieu sait que c'est compliqué quand même. Hein, ah oui, c'est vraiment tout un art. D'aider une plante à évoluer. Exactement. Donc, ce pot connecté, il est...
Il y a des capteurs, il y a un capteur thermique, un capteur hydrique, un capteur de luminosité, etc., qui vont permettre de tout simplement s'occuper de la plante. Donc, par exemple, on va prendre le cas du stress hydrique. Donc, si la plante elle est soumise à un stress hydrique, le capteur il va automatiquement détecter cela et il va apporter une dose d'irrigation donc convenable à la plante. Donc, il y a aussi le deuxième cas d'usage, c'est un usage, on va dire, potager. Donc, par exemple, si on a des tomates cerises qu'on veut faire donc pousser chez soi, exactement. Donc, ce pot-là, il va permettre de faire toutes les, on va dire, toutes les tâches automatiquement. Bien évidemment, il faut au préalable renseigner le nom scientifique de la plante et ensuite le pot, il va faire tout le travail tout seul. Très bien. Les idées, donc, comme celle d'Idriss Talbi ici présent, sont nombreuses. Le lauréat du premier prix de l'an dernier a été jusqu'à la création d'une start-up, vous me disiez, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est en cours. En fait, l'entreprise qui a initié cette problématique a accompagné cet étudiant. Donc, cette idée développée au cours de la semaine de l'entrepreneuriat a fait objet d'un PFE, donc dans le cadre de l'arrêté ministériel 1275. Il a développé une start-up. Et aujourd'hui, donc, il est en phase de création et de partenariat avec cette même entreprise. Le second prix, voilà, parce qu'il y a eu deux problématiques, donc deux projets gagnants. La solution a été également adoptée par l'entreprise initiatrice et c'est en cours de développement. Mmh. Tout à fait. Très bien. Et donc voilà, c'est dire qu'il y a des perspectives aussi pour ces propositions. Elles ne restent pas lettres mortes, même s'il y a cet effort, cette mobilisation. Il y a au bout une possibilité de créer quelque chose pour soi ou de créer une start-up par exemple. Oui, bien sûr. La semaine de l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi. Donc l'incubateur, il est là. Il y a également le CDE, il y a le bleu au niveau de l'école. Donc toutes ces structures, le CATI aussi, toutes ces structures sont là pour accompagner, continuer à accompagner ces porteurs de projets. Donc on fait que planter la graine, c'est vrai, mais on va la suivre la poussée, suivre l'évolution de ce projet-là jusqu'à concrétisation. Et c'est ça l'objectif final. Très bien, c'est le rôle joué par l'incubateur dont vous êtes responsable effectivement au niveau de l'ENSA et qui est très actif tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces compétitions où l'on mobilise la matière grise, c'est tout au long de l'année que vous stimulez les étudiants, n'est-ce pas ? En fait, on n'arrête pas. D'accord. On a un programme tout au long de l'année, on a d'autres manifestations, on va dire en janvier, en février, jusqu'au juin. Voilà, on a des également. Donc, je pensais que vous alliez citer tous les mois. Donc, ça va. L'esprit de synthèse est là, on est content. Tout à fait. Heureusement. D'accord. Et donc, tout au long de l'année, vous allez essayer d'aiguiser un petit peu la curiosité ou d'attiser la curiosité et l'ingéniosité de nos étudiants, n'est-ce pas ? Voilà, tout à fait. On est là pour les former, les accompagner, mais surtout aussi l'aspect, on va dire, aller à la rencontre des entreprises qui sont présentes déjà sur l'écosystème. Ça, c'est un maillon extrêmement important. Absolument. Et une étape importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester juste dans la coquille de l'université, on parle théorique ou de formation. Il faut aller voir ce qui se passe réellement sur le marché pour pouvoir être le mieux préparé demain quand on y sera. Les clubs scientifiques ont à leur tour toute une organisation, tout plein d'événements qui sont très intéressants, qui eux aussi tentent de créer ces passerelles vers le marché du travail. Vous le faites autant que d'autres le font dans d'autres universités ? Représentant de Green Sack Club, comme je l'ai dit auparavant. Tout au long de l'année, on a plusieurs manifestations, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient, on va dire, scientifiques. Donc, on travaille sur ces trois volets pour apporter à la communauté étudiantine ce dont elle a besoin pour se développer et même pour les étudiants, pour les individuels. Donc, on leur apporte que ce soit des formations sur l'entrepreneuriat, sur, par exemple, on a aussi un événement qui s'appelle Me First, qui traite de la santé mentale. On sait que la santé mentale, c'est un sujet très important pour, surtout pour les étudiants. Ils sont dans la majorité des cas. Et l'agriculture, et l'agriculture. Une sinécure hein, pour les personnes fatiguées mentalement. Exactement. Donc, on a l'occasion d'avoir une très belle école. Donc, on fait jouer cet atout-là par rapport à ces aspects-là. Excellent, excellent. On revient donc à cette semaine de l'entrepreneuriat. On a dit beaucoup de choses autour, mais on n'a pas dit quand est-ce qu'elle allait se dérouler. Donc, on va donner les dates. C'est très prochain, c'est imminent.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc, ça commence du 12 au 15. Mm-hmm. Donc, au niveau international, les dates sont arrêtées du 13 au 19 novembre. Donc, pour notre cas, notre école, on les a arrêtées du 13 au 15. Mm-hmm. D'accord. Du 12 au 15 pour ce qui est de l'effort au niveau de l'INSA. Et puis, bon, bien sûr, le monde entier va donner l'occasion aux étudiants de prouver leur capacité, leur aptitude à imaginer des produits, des projets donc porteurs dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, on espère en tout cas qu'ils seront nombreux à suivre l'édition. On l'espère. Voilà. De toute façon, il y a un engouement certain qui a été constaté déjà les deux précédentes éditions, je dirais. Oui, fort heureusement, car l'événement, il est fait pour eux. Donc, oui, les étudiants sont très intéressés par ce type de compétition. Mm-hmm. Le travail en groupe, la co-concurrence, je dirais, les prix aussi, ça motive. Hein? Absolument. Et surtout, le fait de travailler sur un problème concret, mm-hmm. un problème réel, qui va par la suite, on va dire, on l'espère, hein, voir le jour avec l'entreprise. Très bien, merci beaucoup Manel Nechal pour cet éclairage autour de cette semaine de l'entrepreneuriat organisée par l'incubateur de l'École nationale supérieure d'agronomie, donc dont fait partie, ou plutôt qui est dirigée par notre invité Manel Nechal, et puis qui donne l'occasion à des étudiants comme Idriss Talbi de participer et d'être en compétition avec d'autres semblables et de prouver un petit peu les capacités qu'on a, de montrer un petit peu la qualité de la formation aussi hein, au sein de l'ENSA, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Ça nous permet de nous surpasser à chaque fois. Donc, d'aller, par exemple, par rapport à la première édition, on a eu l'occasion d'avoir un jury d'exception qui était composé de l'Airahmo M. Ferrouchi, l'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Il y avait aussi des PDG d'entreprises, de start-up, comme par exemple Mabrouk Aib, etc. Donc c'est vraiment un défi d'aller. C'est le but d'aller se surpasser devant ces personnes-là, de vraiment. Vous aviez le droit à combien de minutes pour... On avait droit à 5 minutes. 5 minutes, exactement. Vous avez réussi à synthétiser. Donc 5 minutes, c'est forcément un peu difficile, mais j'ai réussi. Voilà, une voix tremblotante, j'imagine, au début. Une petite voix tremblotante, exactement, puisqu'on est un petit peu intimidé par les personnalités qu'on a devant soi. Donc, forcément, c'est un défi. J'imagine que le jury de cette année sera tout aussi impressionnant. Oui. Surprise. Mais je suis sûre que nos étudiants donc, seront à la hauteur. Oui, on va terminer en leur souhaitant bon vent pour cette compétition. J'espère qu'ils seront aussi brillants que d'habitude. Merci infiniment pour cette participation. Merci. Et merci à ceux qui sont avec nous depuis le début de l'émission. On vous offre tout de suite un medley de chansons, donc des chansons qui rendent hommage à la Palestine. Et on revient avec nos derniers invités dans un instant. أرضي محروة أرضي حلي مسروقة. Nos prières pieuses vont droit vers le peuple palestinien en souffrance actuellement, la bande de Gaza. Et puis, avant de retrouver nos derniers invités, qui sont en fait nos amis et de Canal Algérie, Khaldoun Khairuddin, en l'occurrence réalisateur et artiste, et puis également Yazid Ait Mahiddine pour son intervention éditorialiste, nous allons droit vers le Salon international du livre qui a connu une baissée de rideau hier avec vraiment une forte participation africaine cette année. Et justement, Samira Hadj Amar a rencontré deux plumes africaines pour nous ce matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace qui accueille les invités du Salon international du livre d'Alger à la SAFEX. Et aujourd'hui, nous accueillons deux invités de marque, deux personnalités du Salon international du livre, Mohamed Amin Camara, éditeur, et Monsieur Tiernou Mounenenbo, romancier. Bonjour Monsieur Mounenenbo. Bonjour. Merci de votre merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Camara et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Voilà. Alors, ce n'est pas votre première participation au Salon international du livre d'Alger, pour les deux d'ailleurs. Hein. Sauf que pour cette 26e édition, c'est l'Afrique qui est à l'honneur. Et Monsieur Mounenbo, vous êtes l'invité d'honneur du Salon de l'Espace Afrique. Tout à fait, je suis l'invité d'honneur en même temps que la Camerounaise Kalis Beyala,
C'est une source de fierté énorme pour moi, puisque je suis un peu la personnalité distinguée de ce festival. Cela me réjouit énormément et je remercie ceux qui m'ont invité. Merci à vous. Monsieur Camara, vous aussi, vous êtes déjà venu à de nombreuses reprises. Vous êtes éditeur, vous venez de Guinée. Et cette année, c'est l'Afrique. C'est un bel événement, c'est un bel hommage. Ah ben, très bien, parce que déjà, c'est ma deuxième participation au SILA. Et cette année, ma participation est exceptionnelle parce qu'un grand focus est mis sur l'Afrique. Et donc, durant toutes ces journées du salon, nous allons essayer d'animer cet espace avec plusieurs conférences sous différentes thématiques. Donc, c'est un honneur pour nous d'être accueillis dans la terre africaine d'Algérie. Monsieur Monenbo, vous êtes déjà venu en Algérie. Vous avez même écrit sur l'Algérie. Donc, il y a eu Bled. Et donc, vous avez cette expérience, vous connaissez même les auteurs algériens. Vous avez vécu pendant quatre ans, notamment à Betna et à Tsaret. Oui, tout à fait. Donc, vous avez tout à fait une idée sur la littérature algérienne et qui est forcément liée aux littératures africaines. Bien sûr, surtout celle du début, celle qui était consacrée à la lutte pour la décolonisation. Mouloud Feraoun, Mouloud Mamri, Katebi Yassine, Assia Djeba, c'est des gens que nous avons lus tout petit. Ensuite, j'ai eu l'insigne honneur de connaître des écrivains algériens. J'étais un grand ami de Tar Diaout, de Rachid Mimouni. Je connais beaucoup, beaucoup d'écrivains et d'éditeurs algériens, puisque les éditions APIC, ici à Alger, publient certains de mes livres ici en Algérie. Donc, je ne suis pas étranger et à l'Algérie et au Salon du Livre. C'est super. Et donc, vous, Monsieur Camara, vous avez une autre idée de nos auteurs, de la littérature algérienne, puisque déjà en Guinée, ils existent, ces livres. Hein, ils ont été édités, ils sont distribués même. Oui, je vais dire que les grands auteurs algériens qui sont surtout publiés en Occident sont très présents en Afrique. Notamment le chef de file, que je peux dire, Kateb Yassine. Et de plus en plus de nouveaux jeunes auteurs, la nouvelle génération de la plume algérienne commence aussi à se faire connaître en Afrique. Au mois de février dernier, j'étais avec APIC, qui est un éditeur algérien, qui a proposé un titre d'un jeune algérien pour un prix littéraire qui est décerné au Mali, en l'occurrence Mohamed Abdallah. J'ai eu la connaissance de le rencontrer, j'ai pris son livre. Et voilà, donc, à travers ces échanges, de plus en plus de jeunes auteurs algériens commencent à se faire connaître en Afrique subsaharienne. Alors, juste pour savoir, comment se porte, en tant qu'éditeur, bien sûr, hein, comment se porte la chaîne du livre? Comment se présente le paysage éditorial en Guinée et par extension en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde, si vous avez une idée? Oui, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un nouveau dynamisme au niveau de la chaîne du livre en Afrique. Les jeunes éditeurs se mobilisent pour essayer de faire avancer les choses et pour faciliter la circulation du livre entre les pays africains. Il y a plusieurs politiques qui se mettent en place entre plusieurs associations, et parce qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs qui font des coéditions pour faciliter la circulation du livre en Afrique. Et il y a une belle opération, belle expérience aussi qui se fait au niveau local ici en Algérie avec APIC, qui réussit à acheter des droits de certains auteurs publiés ailleurs pour faciliter la circulation. Donc des choses se mettent en place. Aujourd'hui, la plupart des pays en Afrique essayent d'organiser un salon pour toujours favoriser la circulation non seulement des œuvres et des auteurs, parce que c'est à travers ces échanges que nous promouvons les livres, la lecture. Et donc, c'est un moyen de mieux faire connaître la littérature en Afrique. Donc, des choses sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, parce qu'il y a certains maillons de la chaîne du livre en Afrique qui ne fonctionnent pas très bien.
Et donc, c'est pourquoi nous essayons de nous mettre ensemble pour essayer d'éradiquer ce manque, et notamment au niveau de la distribution et de la diffusion. D'accord. Vous êtes vous-même organisateur d'un grand événement donc, en Guinée, qui est les 72... Les 72 heures du livre. Voilà, les 72 heures du livre, et où il y a eu même en 2017 une journée consacrée à l'Algérie. Oui, tout à fait. Les 72 heures du livre est un événement qui se tient tous les ans au mois d'avril, à partir du 23 avril. C'est le grand salon du livre à Conakry. Et nous essayons de mettre chaque année un focus sur un pays invité d'honneur. Peut-être que dans les prochaines années, ça sera l'Algérie. Mais ce qu'il faut surtout retenir, Conakry a été en 2017 désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre. Et à cette occasion, nous avons essayé de mettre à lumière tous les pays qui ont une représentation en Guinée, une représentation diplomatique, et aussi des pays qui ont des coopérations culturelles avec la Guinée. Donc, à cette occasion, nous avons consacré une journée à l'Algérie où nous avons célébré le livre algérien, nous avons célébré la littérature algérienne et la culture algérienne de manière globale. Et donc, c'est quelque chose qui s'était très bien passé et ça nous a marqué. Et depuis quelques années, il y a aussi un auteur, un chroniqueur algérien qui est très présent à Conakry, en l'occurrence Ben Aoud, qui essaye de... Ben Aoud Al-Abdey. Tout à fait. Voilà. Donc, qui est présent, donc qui essaie d'être un lien entre la Guinée, si vous voulez, entre l'Afrique et l'Algérie. Très bien. Monsieur Tierno Monenbo, vous, alors, vous avez un lien certain avec l'Algérie, ou du moins avec la littérature algérienne, puisque vous avez édité, ou pardon, publié trois ouvrages en Algérie. Donc, il y a Peul, il y a Roi de Kael, Bled. Et ça, c'était au début des années 80 pour Bled. Mais vous avez publié plusieurs fois en Algérie. Ça change quelque chose? Ça représente quoi pour vous d'éditer, de publier ici en Algérie? Oh, c'est une espèce de retour à la source, en quelque sorte. De manière générale, les écrivains africains sont publiés à Paris ou à Londres. Oui. Pour une fois qu'on est publié sur le sol africain, on a l'impression de rapatrier la littérature africaine, et parce qu'elle est extra-utérine dans sa conception comme dans sa diffusion. Elle est née à Paris avec la négritude et il est temps de la rapatrier, c'est-à-dire de faire en sorte que cela se produise sur le continent et que cela se diffuse aussi sur le continent. Il y a quelques années, à Bamako, on avait créé un prix littéraire spécialement décerné à des maisons d'édition installées en Afrique. Aucune maison d'édition étrangère au continent ne pouvait être candidate à ce prix-là. Et une ou deux fois, d'ailleurs, les Algériens l'ont gagné, ce prix à Bamako. Est-ce que, selon vous, est-ce que l'écriture africaine a évolué? Est-ce qu'elle a changé? Elle a énormément changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, beaucoup de choses. D'abord, elle s'est adaptée à l'évolution du monde. Elle est diverse de plus en plus. Les écrivains africains s'intéressent maintenant au genre policier. Ils font des bandes dessinées, ils font du slam, ils font du rap. En plus, la langue française, qui est l'instrument de travail la plupart du temps de ces écrivains, a énormément évolué en tant que telle. Elle est de plus en plus détournée de sa source. Est-ce qu'on peut parler d'une écriture polymère, où il y a des termes? Bon, il y a la langue française de base, avec des expressions, des mots d'origine du pays. Originaire du pays, du Cameroun, voilà. De Guinée, d'Algérie. Absolument. De plus en plus, elle est africanisée. Amadou Kourouma, grand écrivain ivoirien, disait « Mon ambition, c'est de faire porter le boubou à la langue française. » Faire en sorte que la langue française adapte et notre accent et nos couleurs et notre goût. Et voilà. Très bien. Alors, ma prochaine question s'adresse à vous deux. Honneur, bien sûr, à Monsieur Monenbo. Est-ce que vous croyez que la numérisation, donc de l'édition, donc par extension, les livres, peut être une solution ou une alternative sérieuse à l'échange entre d'abord les auteurs et les éditeurs, mais aussi au public? Est-ce que... Ou alors ça peut représenter une contrainte, hein, une alternative ou une contrainte? Moi, je n'ai pas du tout peur de la numérisation. C'est une aubaine pour moi. Une aubaine d'abord, puisque le livre sera beaucoup plus accessible sur le net directement. Aujourd'hui, il y a le Kindle, hein. On peut directement avoir accès au livre sans passer par le papier. En plus, pour des civilisations orales comme les nôtres, le numérique est un excellent support
de la civilisation orale. Et en Europe, souvent on dit oui, le numérique va concurrencer le livre, bientôt les librairies vont être obligées de fermer. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un lien affectif entre le lecteur et le livre. Le livre continuera à se vendre, mais en même temps, il y aura un autre canal de diffusion qui sera le numérique. C'est une aubaine, ce n'est pas un danger. C'est très bien. Et pour moi, M. Camara ? Oui, bien, je le rejoins dans sa conception du numérique. Moi qui suis éditeur, moi je pense que le numérique vient beaucoup plus en complément au livre papier parce qu'il favorise sa diffusion déjà. Et nous, le numérique, nous en servons pour faire de la promotion. Donc c'est un outil de promotion, de communication pour nous. Parce que il y a plusieurs années déjà qu'on nous parle de l'arrivée du numérique. C'est vrai qu'il est présent. Et au départ, il était conçu comme une menace pour l'industrie du livre. Mais quand on remarque aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui de plus près tous les produits des industries culturelles, il se trouve que c'est le livre qui arrive à mieux s'en sortir avec le numérique. Donc, pour nous, ce n'est pas une menace. Ils sont complémentaires. Ils aident à favoriser l'accès au livre. Ils aident à sa diffusion. Après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut parvenir à maîtriser, et parce qu'il est plus facile quand même de pirater un livre numérique qu'un livre papier. Et voilà, donc il faudrait dans ce sens travailler sur la sensibilisation pour qu'il y ait un peu plus d'éthique dans l'utilisation des supports numériques, que les jeunes sachent que en galvaudant un livre numérique, qu'il peut être une contrainte ou il peut être... Une alternative. D'abord une contrainte parce que pour l'édition, il peut être une menace pour la diversité culturelle, il peut être une menace pour le financement des prochains livres. Et donc, c'est ça qu'il faut dire, il faut sensibiliser. Mais sinon, moi, je trouve que le numérique est un bon complément du livre numérique, du livre en général, parce qu'il aide à la diffusion et à la distribution du livre papier. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à vous, monsieur Tierno Monenbo, romancier. Et merci à vous, monsieur Mohamed Camara. Vous êtes tous deux de Guinée. Merci pour votre participation. Vous reviendrez au Salon l'année prochaine ? Bien sûr. Je serai très honoré de revenir. L'Algérie est une belle terre, un beau pays d'accueil. Et donc, nous sommes très, très à l'aise ici. Merci à vous. Merci. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci Samira Hadj Amar. Donc tout de suite, comme vous avez promis au début, voici donc nos amis de Canal Algérie, en l'occurrence Khaldin Khaldoun, bonjour. Bonjour Radia. Voilà, ça va, bonjour aussi à notre rédacteur en chef Yazidait Mahieddin, donc qui va aussi avoir son papier éditorial donc, dans un instant. Donc le temps juste de poser la question à Khaldin, oui. Est-ce que vous avez profité du Salon international du livre? Il y avait énormément d'Africains présents. D'Africains, d'autres nationalités, des Jordaniens, des Libanais et tout. Mexicains, Mexicains, oui. Et des Subsahariens, bien sûr, on avait plein. Très bien, parce que c'est vrai que vous donnez la parole à toutes ces personnes qui passent par l'Algérie qui transitent ou qui habitent en Algérie dans vos émissions. On en parle dans un instant. Inch'Allah. Okay. On développe d'abord quelques idées intéressantes avec Yazidait Mahieddin. Ce matin, vous allez nous parler d'Algériens qui vivent en Palestine, notamment. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, la dernière fois, je pense 1er novembre, l'écrivain que vous avez interviewé sur la Palestine, qui a vraiment... Amar Belkhoudja. Amar Belkhoudja, qui a développé tout un... Enfin, il est spécialiste de ces guerres coloniales et de tout le processus de décolonisation. Il m'a rappelé qu'il a parlé un petit peu de Sidi Boumediene Chouaib, qui est parmi les premiers qui ont soutenu les Palestiniens dans leur guerre d'existence, en fait, qui a commencé depuis des siècles. Et je me suis dit, alors, est-ce qu'il y a des Algériens en Palestine? D'accord. Et là, je m'intéresse comme ça à faire des lectures, à regarder des films, etc. Et je tombe sur les Algériens de Safed.
Safed, elle est dans la région de El Jalil. D'accord. Et c'était des Algériens qui ont été déportés aussi en Palestine parce qu'ils ont été chassés de chez eux durant donc l'insurrection de 1871. D'accord. Et aussi avec Ben Salem, qui était l'un des adjoints de l'Amir Abdel Qadir. Oui, ils ont choisi ou ils ont carrément été envoyés là-bas? Il y a des cas où ils ont été... Les partisans de l'Amir Abdel Qadir ont choisi la Syrie et ont choisi de l'accompagner en Syrie. Ce n'est pas des choix, en fait. Oui. Les gens ont été carrément... c'est pas un choix de partir de chez soi et d'y aller ailleurs. Ils étaient le choix de l'exil. Mais l'exil était forcé, effectivement. Oui, en fait, bon... Nonobstant ces nuances, exil, choix, etc. Oui. Et ils étaient déplacés en fait de chez eux pour y aller avec. Parce qu'il y a une partie qui a été exilée en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, et d'autres se sont retrouvés donc en Palestine. En terre de Palestine. À Safed, en Galilée. Mmh. Et c'était donc suite à l'insurrection de 1871, à la révolte populaire de 1871 de Cheikh al-Muqarani et Cheikh al-Haddad, et également ceux qui ont accompagné en fait Ben Salem, qui était l'un des adjoints de l'émir Abdelkader. Donc voilà, en fait, ça c'est des images en fait d'un réalisateur algérien qui vit en Suisse, qui s'appelle Tahar Al-Houchi, qui est parti en Palestine, qui est parti au Liban en fait, pour retrouver, comme ce Salah, qui s'appelle Salah, qui est originaire de la région des Ouadia et de Beni Douala. Donc ces gens-là se sont installés en Palestine. Et pourquoi le Liban? Ce sont les descendants. Pourquoi le Liban en fait? Parce qu'ils étaient à Safed. D'accord. Déjà en 1948, leurs parents étaient déjà à Safed. Et à Safed, il y avait Al-Nakba. Mmh, ouais. Et ils étaient des victimes de cette déportation de Safed. La seconde vers le Liban. Ils se sont retrouvés au Liban, donc là, du côté de Nahr el-Bared à Tripoli. Et ils ont doublement vécu donc cet exil. Et puis, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur bien, leur maison, un déracinement, parce que c'est des gens, en fait, qui travaillaient la terre. Ils étaient des éleveurs, c'était des agriculteurs. Ils ont tout laissé. Ils ont été dans des camps, des réfugiés, du côté de Nahr el-Bared. Mais bon, il y a beaucoup de familles. Il y avait pratiquement plus de 100 familles. Ait Yahya, les Mezian, Ait Ahmed, les Wadi. Il s'appelle Wadi parce qu'il est du côté de Wadia, d'accord, du village de Wadia. D'accord. Il y a des noms qui s'identifient au village. D'ailleurs, il y a une chanson de nos vieilles mamans qui chantait « If virne Shem, seudas nislem ». C'est-à-dire le pigeon de la région de Shem, on leur envoie nos messages et nos vœux en fait. Et ça, ça reste dans le subconscient populaire, etc. Et vraiment, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de familles, en fait. Le drame de ces familles, c'est qu'une partie est partie au Liban, et elle était aussi son réfugié dans Sabra et Chati, là. D'accord. Et une partie de ces familles ont subi les affres d'Ariel Sharon. Oui, d'Ariel Sharon. Mm-hmm. Donc voilà, en fait, ces Algériens qui vivent dans cette région de Palestine, qui ont été exilés comme les Palestiniens. Et rappelons que ces Algériens-là ont porté les armes contre les Israéliens en 1948, parce que il y a beaucoup de shahids algériens qui sont du côté de Safed, ils se sont révoltés contre l'entité sioniste déjà en 1948. Il faut dire aussi que beaucoup de Palestiniens ont épousé des Algériennes qui vivent également en territoire occupé palestinien et qui ont subi au même titre justement ces exactions vraiment perpétrées depuis très très longtemps, on dira. Oui, pour dire que le sang algérien, il a vascularisé la terre palestinienne aussi. Ouais. Donc il y a cet élan de liberté, cet hymne à la terre nourricière. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire.
Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour rencontrer ces familles, oui, et pour faire rapporter un peu leur récit, leur story, etc., pour voir comment ils ont vécu. Parce qu'ils sont toujours au Liban, mm-hmm, et bon, il y a beaucoup qui se sont exilés, ils se sont retrouvés dans des, notamment en Danemark, en Suède, en Norvège. Il y a toute une communauté palestinienne. Et... J'imagine que ça suscite l'intérêt de j'allais en revenir et dire que oui. Lui qui va vers les Algériens, donc à travers le monde, oui, dans certifier des aides, c'est vrai que, son émission. Je présume qu'ils ont de très belles histoires à nous raconter. Mm-hmm. Et justement, j'allais te poser la question, Yazid. Est-ce que ces Algériens ont fait profiter les Palestiniens dans leur expérience parce qu'ils étaient opprimés, donc il y avait le condition. Oui, bien sûr, bien sûr. Certainement, je me dis que peut-être il y avait cet échange d'expérience. Absolument, parce voilà, qu'ils étaient déjà des résistants, oui, dans les montagnes, ouais, avec la révolte de 1871, et ils étaient là déjà à pousser par cette force. Oui. Et cette foi, parce, ouais, qu'il y a aussi la foi, oui, qui était un élément catalyseur, oui, dans leur résistance face à la France coloniale et face à la colonisation sioniste. Donc, oui, il y avait, oui, ces deux aspects. Il y a même des noms de beaucoup d'Algériens, Khalifa, oui, etc., qui sont des shahids, en fait, de la cause palestinienne, ouais, des shahids de la terre face à l'entité sioniste. Donc, oui, et aujourd'hui, donc, oui, il y a toujours c'est des récits à, ouais, porter, à raconter et à diffuser, à transmettre, parce que on les connaît pas. Il y a beaucoup d'Algériens, oui, qui connaissent pas cette histoire de ces Algériens. C'est, qui ont, c'est un peu similaire. Une histoire qui est très connue de par les étudiants aussi palestiniens qui viennent, oui, en Algérie. Voilà, ici, qui investissent l'université algérienne et qui repartent vraiment chargés d'histoire par rapport au vécu algérien et qui eux sont cette passerelle qui va transmettre les, oui, valeurs de la révolution algérienne. Et pas seulement, il y a des quartiers qui ont été nommés avec des termes typiquement algériens. Il y a, ouais, un quartier, on me disait, des amis étudiants m'ont dit qu'on a créé un quartier en Palestine qui s'appelle Hay Boualem, oui, par exemple. Boualem, c'est typiquement, ouais, algérien. Donc c'est dire un petit peu la force de cette amitié, de cet échange algéro-palestinien. Boualem, c'est Abdelkader el-Jilani. Oui, tout Boualem, à fait. Tout, ouais, à fait. Oui, l'étendard. Ouais, ouais. C'est très simple. Non, mais on voit toujours que, c'est-à-dire, quand on parle de la Palestine et de la cause palestinienne, c'est une cause algérienne, à vrai dire. On n'a même pas besoin d'expliquer aux enfants, quand les enfants naissent et tout. C'est fou comment Yazid, on voit que c'est ancré en eux, que c'est une de mm-hmm, leurs causes, la cause palestinienne, face au crime de l'entité sioniste et à toute cette oppression que vit le voilà. Donc justement, pour revenir et parler de mon émission Jazair Nhabouha et Certifié des aides, dans les deux concepts, j'intègre, dans le premier concept, j'intègre des Palestiniens qui vivent en Algérie, pas que, mais puisque l'occasion se présente et c'est le moment d'en parler. Donc justement, pour la plupart, c'est des étudiants, mm-hmm, donc c'est un peu de notre génération, et eux aussi, donc ils ont ce sentiment aussi d'appartenance à l'Algérie. C'est, mm-hmm, fou, quand ils parlent, ils te disent, voilà, nous sommes chez nous, c'est-à-dire il n'y a pas de différence, et l'Algérien leur procure cette force et cette envie de toujours de lutter et de faire face à toute cette oppression de l'entité sioniste. Oui, voilà, absolument, donc, dans la mesure où la nuit coloniale chez nous a duré 132 ans. Donc et l'expérience algérienne sert beaucoup. Je voulais juste rappeler qu'il y a le réalisateur Tahar Houchi qui vient, mm-hmm, en Suisse. Ouais. C'est lui qui a réalisé ce documentaire « Salah, le Kabyle de Palestine ». Il y a également un journaliste et écrivain, Fawzi Saadallah, qui a rapporté aussi, on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, je pense qu'il y a également tout un travail qui a été fait par Fawzi Saadallah sur ces Algériens de Palestine. Il rappelle aussi que même pendant la révolution, avec le GPRA et tout, il y avait Abdelhamid Mehri, qui était ambassadeur en Liban, je pense, et en Syrie, et il y avait le colonel Oamran, et puis il y avait l'ancien Premier ministre Sidi Ahmed Rosali, qui se sont rapprochés de ces familles et les invitaient à chaque fois
pour participer donc aux cérémonies du 1er novembre, du 5 juillet. Donc, il y a quand même un contact depuis les années 60, 70, etc. Ça nous rappelle Yazid, aussi, l'histoire aussi des Algériens en Nouvelle-Calédonie aussi. Oui. Donc, c'est un peu similaire. Donc, du moins, pour les Algériens du Liban et de la Palestine, c'est pas tout le monde qui sait qu'il y en a beaucoup et qui sont partis aussi, qu'ils ont été exilés. Mmh. Mais sinon... Notre travail de média aujourd'hui est là pour justement raconter ces histoires. Donc ça, c'est très important parce que la nouvelle génération devrait savoir et avoir plus d'informations sur ces histoires-là qui concernent l'Algérie et en particulier et le Liban et, enfin, et la Palestine. Et il est de notre devoir de faire un travail, de se rapprocher de ces personnes et d'en faire des films documentaires. C'est-à-dire que par rapport aux Algériens de Palestine, c'est qu'ils ont subi un double drame en fait. Oui. Un double exil. Oui, le fait déjà face à la France coloniale, ils se sont opposés parce que à l'époque la France coloniale les a chassés de leurs terres avec la loi Varnier. Ouais. La loi Varnier qui a dépossédé les Algériens de leurs terres et ils se sont retrouvés en Palestine et en Palestine dès un groupuscule qui était rafistolé par un semblant de vouloir de faire un foyer juif, etc. Ouais. Et on ramène des indus occupants et on renvoie ceux qui étaient là et qui avaient leurs terres, des agriculteurs. C'était des éleveurs, des agriculteurs. Ils ont donné cette richesse à la terre. Ils se sont vraiment... Ils ont aimé la terre. Ouais. Ils ont vraiment aimé cette terre. Et par la suite, il y avait beaucoup d'Algériens qui avaient un esprit chilivarien, ouais, qui ont sillonné le monde, qui ont épousé la cause palestinienne, comme Mohamed Boudia, ouais, qui a été assassiné par le Mossad. Il y a aussi d'autres qui ont accompagné Boudia. Il y a d'autres Algériens, Mezouane, etc., qui ont vraiment, vraiment, qui étaient notre collègue de la télévision. Mezouane, qui était souvent avec son couffin et tout. Et vraiment, donc, à ce prolongement révolutionnaire qui date depuis... Et l'engagement qui est quand même très, très entretenu par les générations et générations d'Algériens vis-à-vis de la Palestine. Alors, justement, on revient à certifier des aides et également, donc, Jazayen Habouha, deux concepts que vous avez déjà proposés depuis quelque temps à Canal Algérie. Les gens vous connaissent à travers ces voyages que vous effectuez à l'étranger pour aller à la rencontre de la diaspora, mais aussi... C'est passerelles que vous tissez avec ceux qui sont chez nous. Il y a de belles histoires à raconter, il y a de belles rencontres à faire. Justement, là, ça nous donne une vision, ça nous donne, ça valorise aussi l'Algérie en tant que pays arabe, musulman, africain, tout ce que vous voulez. Donc, à travers les regards de ces personnes qui ont aimé, à vrai dire, l'Algérie. Quand ils viennent peut-être pour la première fois, peut-être c'est pour une raison professionnelle, on ne sait pas, ça diffère. Mais sinon, une fois à la rencontre de l'Algérie et de l'Algérien, ça, c'est tout le monde, hein, c'est les propos se rejoignent. Et on dit que voilà, on tombe amoureux de ce pays et on ne sait pas pourquoi. Et tel un amour qui ne se justifie pas, justement. On ne sait pas pourquoi on aime quelque chose ou un pays ou une personne, donc voilà, c'est la même chose. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Certifié des aides ou encore Jazayen Habouha, voici un extrait pour vous et rien que pour vous. L'amour et l'attachement à la patrie les réunit toujours. Eux, ils sont Algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les quatre coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Notre nouvelle destination, la Suisse. Atterrissons à Genève, cette ville cosmopolite, devenue dans les années 80 une destination pour la communauté algérienne. Notre première rencontre est avec Selim Waldali, chercheur agronome arrivé en Suisse vers la fin des années 90. «
Salim. Bien. Je suis des élevettes. C'est Canal Algérie qui débarque. Allah ybarak. Allah ysalmek. Salim, arrivé à Genève. Voilà, ce sont des rencontres, voilà, qui sont, voilà, comment dire, qui s'enchaînent. Spontanément, oui. Par la rencontre de ces personnes. Je ne discute pas beaucoup avec ces personnes, parce que pour laisser un petit peu ce côté spontané dans leur discours, hein, et dans le mien aussi. Et là, ils nous racontent des histoires, leur attachement au pays. Et puis des vécus, chacun a une trajectoire. Et puis, ce qui est important, c'est de valeur ajoutée de ces personnes, de ces Algériens qui se sentent... Qui réussissent à l'étranger. Qui réussissent déjà, et qui sont toujours Algériens. C'est-à-dire là où ils se trouvent, donc ils sont Algériens, ils ont toujours cette appartenance au pays, et ils ont un devoir. Ils te disent, on a un devoir. Le devoir, c'est voilà, de servir le pays, depuis mon pays d'accueil. Et ça, c'est fabuleux. Et on vit avec eux leur quotidien. On essaye de se balader, on discute. Il y a de l'émotion, parfois. Parfois, ça rigole. Parfois, on a le chagrin. Parfois, parce qu'on est loin du pays. Mais on est là, du moins pour Canal Algérie, qui essaye de garder le contact avec ces Algériens. Parce que c'est un peu la double vocation de Canal Algérie, d'aller vers ces Algériens et d'avoir le regard de ces étrangers qui vivent en Algérie, et on essaye avec nos... On va rappeler rapidement, oui. Donc le créneau de diffusion de Certifier des aides, et la prochaine émission est prévue pour quand? Pour Certifier des aides, comme on est tributaire des déplacements et tout, donc c'est quand on peut se déplacer, on essaye de... on y travaille, mais sinon pour le Jazair Hibouaz, c'est une mensuelle, donc chaque mois on a un numéro qui se diffuse, un 52 minutes, et on revient dans le même numéro, on revient sur l'histoire d'une ou deux ou trois personnes étrangères qui vivent en Algérie. On connaît la date de diffusion du prochain ? Le prochain mois. D'accord, voilà. Très bien. Moi, je vais lui donner quelques tuyaux, parce que quand j'étais au Japon, j'étais bien reçu par un Algérien qui est dans la région de Kobe, d'accord. Au Japon. Il a carrément monté des restaurants où il y avait aussi de la gastronomie algérienne. Manuel Azouz. Oui. Et puis, il y a un autre au Japon. Architecte. Je pense qu'il a fait anglais. Anglais, d'accord. Anglais. Et puis, un autre Algérien à Shanghai, d'accord. Qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Achori. D'accord. Donc, je me rappelle. C'est bien. Hamid Achori me rappelle. Il y a aussi une Algérienne qui est mariée à un Japonais et qui lui a fait découvrir la culture algérienne. Ils ont une fille. Et là, elle se focalise sur tout ce qui est culinaire. Et elle essaie de faire... de voir les similitudes dans les deux cuisines algériennes et japonaises. Et là, c'est fabuleux. Ouais. Voilà, c'est bien. Hein. C'est des fusions, comme en musique. L'art culinaire le permet aussi. Ouais. Donc, on va découvrir des images que vous nous avez apportées ce matin. Ouais. Khaledine Khaldoun, donc la voici, la première. À la pointe, c'est le coup de cœur. Donc, c'est une photo que j'ai prise, ça fait 2 ans, mais toujours... par rapport à mon soutien, mon engagement au sujet de la cause palestinienne. Donc ça, c'est un concept photographique. Voilà. Puis il y a toujours le confort qui est là. Hein. Bien sûr, le confort. Voilà, une composition sculpturale, donc qui compose avec un arrière-plan. Là aussi, on est dans... Là vraiment, ça c'est un petit rappel de ce que disait Yazid tout à l'heure, la double fracture, le double exil. Donc là, ça nous fait rappeler un petit peu donc l'exil. Moi, je l'ai fait parce que ça parle de l'exil du Palestinien, mais c'est valable par rapport aux Algériens. Je parle là de l'exil de toutes les populations, de toutes les... Là, on a un graphisme qui suggère justement le kéfié. Voilà. N'est-ce pas ? Effectivement. Voilà, là, c'est fait sur du papier recyclé, fait par des trisomiques. Et je voulais faire prendre ce papier parce que je l'ai trouvé très innocent, parce que là, je reviens sur les crimes... Et l'enfant dans tout ça. Donc, ça rappelle un peu Guernica. Guernica aussi, Picasso, quand on parle. Oui, effectivement. Et là, c'est des engagements. Et là, c'est tout le tout récent, fait hier soir. Là aussi, ça revient sur l'enfance et l'enfant palestinien aussi, et le drame. Et voilà, donc... Ce sont les couleurs du drapeau palestinien, aussi. Merci infiniment, Khaledine. C'est vrai qu'on vous connaît aussi sous la facette de l'artiste et du plasticien. Donc, Yazid Ait Mahidine aussi n'est pas venu lundi. Il a été à Blida, non ? Oui.
On a très peu de temps pour montrer pour vos ça. Images. Oui. J'étais à Blidaoui, effectivement, lors de, du vernissage de Noir. Et ça, tu parles de ça? Voilà. Moi, je voulais juste revenir un peu sur quelques peintures photographiques que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Notamment, donc, il y a des Algériens, bien sûr. Là, en fait, c'est le fait que le monde assiste dans l'impunité face à ce drame que vit la Palestine. On a les mains liées, effectivement, on est frustrés. En détournant un peu la célèbre toile de Vinci. Donc, ouais. La Joconde, mais vraiment qui illustre justement. Il y a aussi on voit aussi des photos donc, de Gaza qui brûle face toujours à l'impunité et le silence de la communauté internationale. Ouais. Et cette Palestine qui est là à protéger les enfants, et ces enfants qui sont des réincarnations de cette Palestine éternelle, toujours l'enfance aussi, donc cet enfant aussi qui est là dans le noir, Mia. Une petite fleur, espoir justement, d'une éclaircie au milieu d'une sombre réalité. Ouais. Et là aussi encore les enfants palestiniens victimes de cette innocence. Voilà, Guernica. Ça, on rappelle un peu Guernica. C'est un détail de Guernica. Ouais, un détail de Guernica, donc face à la guerre, etc. Aujourd'hui, on vit doublement, les Palestiniens vivent doublement cette Guernica pour un lendemain meilleur. On voit Et puis, je rappelle, il y a beaucoup d'artistes algériens. Comme, ça nous amène à prier en faveur de la Palestine libre et indépendante. Voilà, avec Al-Quds. Avec Al-Quds. C'est notre collègue, Balatarach, qui a fait aussi cette superbe toile. Oui. Et il y a d'autres partagé, artistes. Partagé, d'ailleurs, qu'on a vu sur la toile. Voilà. Yazid Ait Mahidine, merci, je sais qu'on je reviendrai la prochaine fois. On aura l'occasion. C'est toujours un plaisir d'écouter Yazid, de ses histoires et ce moment-là qui le passionne et qui nous passionne au final. Voilà. Merci infiniment. Merci à toi. Merci pour tous ces périples qui nous permettent de découvrir des Algériens d'ici et d'ailleurs. Effectivement. Et merci également à vous qui êtes avec nous depuis le début de cette émission. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes. Et je vous donne rendez-vous dès demain à 8h, 9h30 pour Bonjour d'Algérie, votre rendez-vous donc du matin. Merci encore à Yazid également. Donc on retrouvera peut-être demain. Demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, rendez-vous est pris pour parler avec beaucoup de cœur de cette Palestine meurtrie. Merci à tous et à très bientôt.